Eh bien bonjour tout le monde, c'est Lemmy Koopa et aujourd'hui nous nous retrouvons avec le passé de Kratos. Normalement on se tape une cinématique là. Donc je ne parle plus. Ah, la petite musique là. En plus, vu comment on voit presque pas que c'est Kratos, ça aurait été bien, genre, dans le trailer, ils mettent ça. Ouais, finalement, j'ai pas eu le temps de le voir. Hein? Genre là, voilà, tu vois, des taches blanches et rouges, tu te dis, ah tiens, c'est peut-être Kratos et tout. Ah tiens, un gros crâne blanc, c'est peut-être lui. Et à partir de là, les joueurs, ils comprennent que c'est vraiment lui, que du coup, God of War est de retour. Franchement, moi, c'est ça que j'utiliserais comme trailer, honnêtement. Voilà, les voici, les lames du chaos. Tu n'as nulle part où te cacher, Spartiate. Tu auras beau mettre autant de distance que tu veux entre toi et la vérité, ça ne changera rien. Tu peux prétendre être ce que tu n'es pas, un mentor, un mari, un père. Mais il y a une vérité à laquelle tu ne pourras jamais échapper. Tu ne peux pas changer. Tu demeureras à jamais un monstre. Je sais. Toute cette... Je ne suis plus ton monstre désormais. Voilà, par exemple, toute cette séquence en trailer, et dès qu'il dépasse Athéna, tout simplement, bah dès qu'il dépasse Athéna, là après, hop, ça dit tout simplement que fin de trailer, et on tenait l'année de sortie sans la date, hein, parce qu'il a été dévoilé en 2016, je crois. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est jouissif de jouer avec ça, mon dieu! Vraiment, je peux vous jurer que c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de faire du God of War en let's play. Hein. Et du coup, le plus accessible, honnêtement, c'est ce jeu-là. Certes, j'ai le PS Plus Premium, du coup, je peux faire les jeux God of War qui sont sortis à l'époque. Mais malheureusement, même s'ils sont sortis sur PS2 à la base, on m'a mis les versions PS3 qui sont en version cloud. Et du coup, version cloud, ça veut dire que je ne peux pas le filmer ou faire de stream. Du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, ce let's play, bah, c'est pour ça que God of War, je démarre par lui. C'est pas parce que je voulais, hein. Moi, je voulais le faire dans l'ordre. Ah, trophée obtenu, retrouvaille. On pouvait voir une porte vers le monde entre les royaumes, en plein milieu du jardin. Pratique. Prends ce raccourci et de là, rends-toi à Elheim. Retourner à la salle de tir. Ah bah oui, c'est vrai, je l'avais vu en plus au début du let's play, ça. C'est vrai. Attends, quoi? Donc on me dit que je dois aller là. Pourquoi pas, moi j'accepte. Maintenant, pourquoi le point me dit d'aller là? Genre, frérot, sois logique avec toi-même, je sais pas. Attends, c'est quoi là le délire? Ouvrir le journal. Retourner à la salle de passage de tir.
D'accord. Ah, maintenant on a ça. On peut l'améliorer. Maintenant on va pouvoir améliorer ça. Bon bah allez. Et honnêtement, ça coûte pas cher, alors on se fait plaisir. Ok, là ça fait mal au cul. Je vous le concède. En plus, on te met avec les flammes comme à l'époque. Et là. Bon, allez. Pour voir leur prix à eux. Étonnamment. Étonnamment, c'est pas si cher. Hein. Ouais, bon, là, après. Allez. Oui, clairement, là. Je vous l'accorde, c'est chiant, mais. C'est important aussi. Voilà, déjà combat à distance full. Alors c'est quoi ça, arme? Ah bah oui, on peut faire ça. Ah ouais, mais non, merde. Ah bah ouais, ça compte pas là. Ok, donc je dois passer dans ça. Très bien. Ça, je comprends. Maintenant, pourquoi on me dit que ma mission est ici? Alors que je dois rentrer à l'intérieur. Enfin, vas-y, on va à l'atelier de Brock, hein, et puis merde. Mais... Oui, le jeu. Je suis à peu près certain que ce n'est pas à moi que tu parlais tout à l'heure. D'accord, donc c'était vraiment ça qu'il fallait faire. C'était juste buggé, j'imagine. Je t'assure que je garde les secrets comme personne. Bon, tu sais où me trouver. Et pour ta gouverne, j'avais déjà deviné que tu étais grec. Athéna, impossible de se tromper. Je suis de Sparte. Pas grec. Quoique je dis des conneries, hein. Je suis sûr que les Spartiates, ils sont grecs aussi. Ah bah enfin, merde. Ah, donc j'ai fait le... La magie d'un autre monde. Par les saintes, Nana. Qu'avons-nous là? J'ai jamais rien vu de tel. Ah. Un héritage familial, forcément. Non. Et ça ne le sera jamais. Écoute. Frère et moi avons créé Mjolnir pour le grand crétin. J'ai l'œil pour ces trucs. Et ces lames. Elles ne sont pas banales. Et où est ton morveux? Il est tombé malade. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Les As? Non. Tout est ma faute. Et c'est à moi de réparer cette erreur. On doit tous prendre nos responsabilités, parfois. Hein? Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider? Je peux me rendre utile? Tu veux que je vienne avec toi? Non. Tu as déjà assez à faire. Par ici. D'accord. Alors, où est-ce que tu vas, comme ça? Au royaume des morts. Helheim? Merde, c'est du sérieux! Je vais garder un œil sur toi. C'est gentil. Brock peut améliorer les lames du chaos pour les renforcer. Bah encore heureux, j'ai envie de te dire. Évidemment. Eh mais attends, du coup j'avoue. Oh putain. Bah ouais, non, disponible parce qu'on a plus Atreus. Mais du coup ça veut dire que si on canne, si on meurt... C'est game over là, y a pas de... Ouais, Atreus il vient nous sauver à la dernière minute. Alors c'est fini. On devra se retaper tout le combat. Oh maintenant c'est chiant. Freya t'a donné la rune de passage vers Helheim. Le royaume devrait être accessible depuis la table. Ouais. Enfin c'est con qu'elle m'a pas donné tous les royaumes d'un coup, hein, mais bon, vas-y. On critique pas, même si c'est complètement con.
Vanaheim, Rotenheim, Halfheim, Halheim. Allez, sauvons Atreus. Ouais. Je garderai un œil sur toi. On sait jamais. Ah, donc ça compte juste comme... Ouais, ben non, justement, si on doit se barrer, au moins... Ça nous ramènera ici direct. Je profite de l'occasion pour te dire que ce que nous allons faire est... ne peut survivre à ce froid. Alors tes lames ont intérêt à fonctionner. Mes lames ont été forgées en enfer. Non, nous sommes toujours sur le pont entre les royaumes. Celui que nous cherchons est le pont des damnés. Les morts l'empruntent pour se rendre dans leur séjour permanent, la cité de Snaï. Le gardien qui en garde l'entrée, c'est lui que tu cherches. Puis ce pont et tu tomberas nez à nez avec lui. Tu sais, j'espérais vraiment ne jamais revoir cet endroit. De tes lames pour brûler ces ronces qui nous barrent le chemin. Putain, ça va nous... ça va être tellement utile dans la suite du jeu. Le délire des ronces. Ah ah ah. Encore une bonne raison d'être allé chercher ces lames. Attention, derrière toi. Par derrière. Vous allez me laisser prendre mon coffre, bande de bâtards. Oh putain, 3000. Pour faire le tri, la cité déborde. Bah non, ici faut Atreus. Fermé. Et maintenant. Oh!
Oh, je vous déteste. En plus, on peut même pas le frapper, mais c'est horrible! Mais quelle bande d'enculés de fils de pute! Mais niquez vos mères là! Bon, attendez, on a acheté quoi comme compétence pour ce truc de merde? Oui, évidemment. Ouais. Allez, meurs. Fils de pute. Les pillards que nous avons tués près de ma maison, ils sont venus ici. Comment ont-ils pu revenir aussi vite? Bah, tu les as tués. Le temps ne s'écoule pas de la même façon d'un royaume à l'autre, surtout pour les esprits. Comme la lumière d'Alfheim. C'est le contraire. Le temps passe plus vite sur le lac des âmes qu'à Alfheim. Mais il passe beaucoup plus lentement à Helheim qu'à Midgard. Ça ne doit pas être évident à saisir. Si ça nous permet de retrouver mon fils plus rapidement, ça me va. Ah, tu comprends vite à ce que je vois. C'est quoi ça? C'est une énigme ou... Non. Oh, j'aurais espéré qu'il le tue avec les dames du chaos. Ce Valhalla, est-ce qu'il fait partie d'Helheim? Non. Le Valhalla fait partie d'Asgard. Il faut être mort dignement pour y aller, comme les guerriers qui tombent au combat. Helheim accueille ceux qui meurent dans le déshonneur. Les criminels. Oui, et ceux qui meurent de maladie, d'accident, de vieillesse. Ce qui est un peu bâtard, hein, quand c'est un... Eh bien, il n'est jamais trop tard pour mourir au combat, je suppose. Oh, mais c'est dégueulasse. Mais c'est horrible. C'est vraiment des enfoirés, les dieux nordiques. Ouais. Cette paroi nous permettra de sortir si on parvient à l'atteindre. Comme par hasard, on n'y arrivera pas, hein. Faut faire le tour de l'univers. On va leur casser ça.
Ok, là j'avoue que je suis paumé. Là, j'avoue, je sais pas quoi faire. Il fait des sauts de plus de 1000 mètres, mais juste sauter de là-haut à là, ça va lui faire mal à ses petites jambes hein, quand même. Vraiment, il va faire des énormes sauts, mais là... Je ne pense pas, non. Mais ça ne devrait pas aggraver les choses non plus. Ce sera un obstacle de moins à franchir pour les vivants qui souhaiteraient rejoindre le cercle intérieur des Lime. Mais qui serait assez fou pour s'y rendre? Qui serait assez fou? Bah nous. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Je pense qu'on va revenir ici avec Atreus à un moment. Parce que bizarrement on est bloqué à des endroits où on a besoin de lui. Hein. Bizarre. J'accuse rien, hein, mais bizarre. Le pont des damnés. Et voilà le gardien. Il s'assure que les morts sont bien morts. Que tient-il? Ce totem contient une puissante source d'énergie magique. Le pouvoir même des Lime. Mais toi, c'est son cœur que tu veux. Prends-le et nous pourrons partir. Comment? Attire son attention, ça ne devrait pas être trop dur. Ouais. Mort,
Allez, meurs, bâtard. Oh putain, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est marrant. Prends son cœur maintenant. Tu vas devoir te salir les mains. Ok, non, c'est une cinématique. J'ai le cœur. C'est tout ce qu'il fallait. Oui, parfait. Mieux vaut ne pas traîner ici de toute façon, hein? Ouais. Zeus de Helheim. Zeus? Zeus? Mon père. Zeus est ton père? Ça explique bien des choses. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? N'y va jamais. C'est compris? Elle est réputée pour torturer ses habitants avec leur propre passé. Trouvons plutôt un moyen de rejoindre ton fils. Il faut une rafale devant de elle pour ouvrir cette serrure. C'est quoi ça? Non, sincèrement, qu'est-ce que c'est là? Je vois pas trop. Ah ok, faut retourner là-bas. Je crois. Non, même pas. Ouais, non, là, c'est... Ah, ok, c'était ça. Flamme du chaos. Ah, cool. Bon, par contre, c'est bien beau, mais... Comment je fais, moi? Ok. Objectif, sois fort, Atreus, Freya s'occupe de toi, je ferai tout ce qu'il faudra, blablabla. Mais je dois passer par où? Ah, peut-être là. Ah oui. Psst. Ah. Chut. Je ne devrais pas être là. Ça gèle ici. Vite, donne-moi tes lames. Pourquoi? J'ai dit que je t'aiderai et je vais tenir parole. Allez! Mes outils sont à Midgard. Je reviens tout de suite. Il ne vient pas de te les voler, tu es sûr? Et voilà. Maintenant, elles sont prêtes pour les vents de Hel. Vise juste ce petit truc magique lumineux avec tes lames et lance.
Les vents de l'Est sont extrêmement instables. Vous ne pouvez les retenir que 10 secondes avant qu'ils retournent dans leur dernier piège avant. Maintenant, vise ce piège avant avec tes lames. C'est cette petite boule suspendue au milieu de la planche. Tu la vois? T'as vu ça? Maintenant, tu peux capturer et libérer les vents de l'Est quand ça te chante. Bon, je mets les voiles. Ne me remercie pas. Il fait un froid de canard ici. On se gèle les roustons. Il m'arrive parfois de me demander ce qui se passe dans sa tête. Nous sommes partis depuis trop longtemps. Papo. Capturer puis... Quoi? Capturer puis transférer les vents de L pour alimenter les mécanismes. D'accord. Heureusement qu'il y a la visée auto quand même, hein. Ah, je me disais lui qu'il était pas normal. Parfait. Bon bah voilà, on peut se barrer maintenant. Je suppose. Ça m'a fait chier. Ah, ça y est, enfin on est libre. Retourne vite voir ton fiston. Avec plaisir, monsieur. Bah... Retournons vite à Midgard avec le cœur. Ah bah ouais, là on va vite y retourner. Alors là... Retourner à Midgard. Zeus,
balance accrochée à la hanche du fantôme de Sparte. Ne m'appelle pas comme ça. Détends-toi, frère. D'après ce que j'ai entendu, le Panthéon l'avait bien mérité. Mais je dois encore me faire à l'idée. Je sais que tu es les dieux, mais tu n'arrives pas à les éviter, on dirait. Je t'interdis d'en parler au garçon. Il ne doit pas savoir. Sauf mon respect, c'est une grave erreur. Il faut qu'il sache. Il ne pourra jamais s'épanouir s'il ne connaît pas la vérité. Écoute, je comprends. Tu es les dieux. Tous les dieux. Et cette haine s'applique même à toi. Mais elle est aussi dirigée contre ton fils, tu ne le vois pas. Et il le sent. Il ne peut pas lutter contre sa nature. Mais il ne pourra pas non plus la comprendre tant que tu ne lui auras pas dit. Tout est lié. Tu ne lui diras rien. Très bien. Entre les royaumes. Je l'ai amélioré, à moins que je l'ai cassé. Je suis pas sûr. On en a besoin. Je sais, c'est pour ça que j'ai pris quelques rafales de ces vents de L et que je l'ai rendu bidirectionnel. Tu peux l'emprunter dans les deux sens maintenant, s'il n'est pas cassé. Dans ce cas, il peut nous mener chez Freya. Excellente idée, frère. Oh putain. Et ça du coup... Ouais non, c'est pas prêt d'arriver. Du coup, est-ce qu'on peut aller chez Freya? Vas-y, frère. Qu'est-ce que t'attends? Ah, c'est marrant, il était buggé. Eh bien, on peut dire que vous savez voyager, mes amis. Ouais, effectivement, on se démerde bien dans le voyage. Ah là là. Ah, il y a une vibration. Ah ok, il est là. Ce n'est pas encore ça, mais on s'en approche. Il nous a dit qu'il y avait des ajustements à faire. On doit faire vite. Tu ne l'as pas dit qui c'était. Une éternité que je n'ai pas. Que plus, je crois qu'elle va nous le dire là. Hein. C'est qui? Prédire une mort absurde. Cet enfant dans mes bras paraissait si petit et si fragile. J'ai su dès lors que je ferais n'importe quoi pour le protéger. Quel qu'en serait le prix. Mais évidemment, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. J'ai laissé mes besoins et mes peurs passer avant son bien-être.
Et ce n'est que bien trop tard que j'ai compris sa rancœur. Ne commets pas la même erreur. Accorde-lui ta confiance. Je sais que la vérité te pèse. Mais rien n'est simple quand il s'agit de nos enfants. Il est maudit. Mon enfant est maudit. Ne pars pas sans moi. C'est promis. Je vais mieux maintenant. Je vois ça. Il est assez fort pour voyager. Pour l'instant. Ça n'arrivera plus. Je te le promets. Nous y veillerons ensemble. Terminer la maladie. Trophée obtenu, promesse tenue. Merci. Ton père a fait. On va la laisser parler. Tu devrais rester ici pour te reposer. Tu en as fait assez. Vous savez que ma porte vous est toujours ouverte. Atreus, il s'est même pas dit hey, mais papa, t'as des nouvelles armes. C'est ça ? Désolé. On doit y aller apparemment. Ah. Ouais. Bien. Avant la grossière interruption de Maudit, on s'apprêtait à explorer le tombeau de Tyr. Oui. Pour trouver la rune noire. Atreus, tu sais où il faut aller ? Je sais pas. Mais si, voyons. Il nous faut un bateau. Je sais pas. Il nous faut un bateau. Parfait. Ok, donc c'est là où... D'accord, ouais. Donc je pense que ça y est, c'est le moment où Kratos va peut-être lui dire « Tu es un dieu ». Lui dire qu'il est un dieu. Si, je crois. Je sais que tu m'as entendu parler, Afria. Tu crois que tu comprends, mais tu te trompes. Pourquoi tu ne dis rien ? T'as dit que j'étais maudit. Tu me crois faible parce que je suis pas comme toi. Je sais que tu voulais pas de moi. Oh, ça fait mal. Après tout ça, je pensais que tu verrais les choses autrement. Tu es loin de tout savoir, mon garçon. Peut-être. Mais je connais la vérité maintenant. La vérité. La vérité. Je suis un dieu, Atreus. Je viens d'une... Je suis désolé, vraiment, je suis désolé, j'ai dû faire une petite coupure très rapide. J'ai choisi de vivre comme un humain, mais en vérité, je suis né Dieu, et toi aussi Atreus. Atreus, tu n'as rien à dire.
que... je peux me changer en animal? Est-ce que tu peux te changer en animal? Non. Non, je ne crois pas, non. Ça dépend du dieu, ça, honnêtement, je crois. Je suis un dieu. Maman savait? C'était une déesse aussi? Non. C'était une mortelle, mais elle connaissait ma vraie nature. Je suis un dieu. Pourquoi tu me l'as jamais dit? J'espérais te préserver. La vie d'un dieu est une existence vouée à l'angoisse et à la tragédie. C'est un fardeau. Quelles sont les choses que je peux faire, alors? Je peux voler? Devenir invisible? J'ai pas... l'impression d'être un dieu. Je ne connais pas la nature de tes pouvoirs. Mais nous les découvrirons... avec le temps. T'es sûr que je peux pas me transformer en loup? Si tu veux essayer, je t'en prie. C'est pour ça que j'entends des voix parfois. T'en as jamais entendu, toi? Pas comme toi. Rien d'étonnant. Chaque dieu est unique. Alors, je serais peut-être pas fort comme mon père, mais j'aurais des capacités rien qu'à moi. Tu en as déjà, mon grand. Ton aisance avec les langages est extraordinaire à ton âge. Seul le temps nous dira quelles capacités tu vas encore développer. Alors tu le sais depuis le début? Bien sûr, petit. Des dieux, j'en connais quelques-uns, tu sais. Moi aussi, apparemment. Je me demande qui d'autre savait que j'étais un dieu. Freya, c'est sûr. Brock et Sindri. Ils n'ont pas à le savoir. Oh. Baldur, il est au courant? C'est pour ça qu'il nous cherche? Tu me connaissais avant? Je l'ai vu pour la première fois le jour des funérailles de ta mère. Je te le jure. Rien ne nous oblige à aller au tombeau de Tyr, pas vrai? Après tout, on est des dieux. On peut faire tout ce qu'on veut, non? Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire maintenant? Je vais te montrer. On essaie encore une fois, sans être interrompu. Ouais, eh bien... c'est vrai que ce serait cool de pas se faire interrompre encore une fois. C'est reparti. Mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner sur ce c'était les Mic ou pas. Et puis moi je vous dis au revoir tout le monde.